Nous sommes présentement à Boisflé, dans la région de la Maraoué, là où quand c'est beau, c'est la Maraoué, c'est chez nous. Les femmes, les braves et dignes femmes de la Maraoué célèbrent ce jour le président Laurent Gbagbo. Elles sont mobilisées, elles sont venues des différentes fédérations pour célébrer le président Laurent Gbagbo. Nous assistons à un défilé jusqu'à la place où se tiendra l'événement proprement dit. Donc, vous nous suivez. C'est la délégation de Saint-Franc qui passe. Oui, les femmes sont venues des quatre coins de la région pour rendre un hommage mérité, pour dire qu'elles sont avec le président Laurent Gbagbo. Oui, ici dans la Maraoué, c'est le président Laurent Gbagbo. Vous-même, vous voyez, les femmes, elles sont déterminées, elles sont mobilisées. Je vous dis que ici, il y a un seul nom qu'on connaît, c'est le président Laurent Gbagbo. Et les femmes sont déterminées à accompagner leur leader, leur président, leur mentor dans ce nouveau parti, dans ce nouveau challenge avec la création du nouveau parti. Donc, comme vous le constatez, c'est un public de qualité et de quantité. Ici, quand on parle du président Laurent Gbagbo, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se reconnaît. C'est tout le peuple ivoirien qui se reconnaît. Vous le voyez très bien. Vous voyez très bien. Nous allons vous faire vivre ces événements, cet événement. Ça, c'est oui, elle chante en gros. Elle exprime leur fierté quant au retour du président Laurent Gbagbo sur la terre de ses ancêtres. Pour ceux qui ne comprennent pas le gourou, je vais vous le traduire. Elles disent qu'elles sont heureuses de savoir que leur leader est en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça se passe à Boisflé, précisément dans la Maraoué. Pour ceux qui ne connaissent pas la Maraoué, la région est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le peuple majoritaire, c'est le gourou, le peuple gourou.
ici le territoire avec les Ayaou, les Yoré et les Moussi. Oui, les femmes de Boisflay réclament le président, le leader dans la région. Elles réclament une visite du président à Boisflay. Et je sais que le président qui nous suit va prêter une oreille attentive à la doléance des femmes de la Maraoué. Nous sommes bel et bien à Boisflay. Écoutez la chanson, elles disent que elles sont intraitables, quelles que soient les épreuves, elles sont stoïques, elles restent toujours debout à l'image de leur président Laurent Gbagbo. Rien ne peut les effrayer, rien ne peut entacher leur conviction. C'est bon? Vous étiez donc en direct de Boisflay. Restez en ligne, restez connectés. Ne décrochez surtout pas, nous allons faire vivre ces instants inoubliables depuis la belle terre de la Maraoué. Ici, c'est Laurent Gbagbo. Thank you.
Oui, vous le constatez, la mobilisation est de taille ici. Donc c'était nous. Donc à tout à l'heure.